Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Donc aujourd'hui le sujet ça va être, on va plonger dans Elasticsearch pour faire du monitoring d'une maison intelligente. Avant tout de commencer, je vais me présenter, je suis Pietro, avec moi mon collègue Benjamin, on travaille chez Adelian. Chez Adelian on est experte dans le domaine des moteurs de recherche. On travaille surtout avec Elasticsearch, OpenSearch et Solar. On offre aussi des services de consultance et aussi des formations, surtout sur les trois technologies. On est développeur aussi de la solution A2, c'est une solution pour l'e-commerce. Et on a développé aussi notre moteur de recherche collaboratif, All.Site. Collaboratif, c'est un peu différent de la philosophie derrière les moteurs de recherche classiques, comme ça peut être Google ou Bing. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut monitorer notre maison intelligente avec Elasticsearch, avec Home Assistant. L'IoT, ça fait longtemps qu'il est là, en fait. La première fois qu'on entend parler d'IoT, c'est les années 80. On a en fait des chercheurs dans l'université de Carnegie, dans les États-Unis, qui l'ont connecté à une machine qui vendait des boissons à le réseau de l'université pour observer l'état des boissons, des coca, des bières qui étaient dans la machine pour voir si c'était bien frais ou pas. Aujourd'hui, l'IoT il est vraiment partout, dans plusieurs secteurs, à partir de la santé, dans l'agriculture, dans l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Mais on peut avoir aussi de l'IoT chez nous. Chacun de nous, dans nos foyers, on a des dispositifs, trop de dispositifs peut-être, connectés à notre réseau. Et donc, aujourd'hui, on va justement voir ça. On est dans le cadre vraiment de la maison intelligente. Et donc, je laisse la main à Benjamin pour parler de notre cas d'utilisation. Alors, le cas d'utilisation qu'on a voulu mettre en place, c'était le cœur d'une maison connectée. Très souvent, quand on bidouille un petit peu, donc je pense que les gens qui sont ici savent ce que ça veut dire, c'est d'utiliser quelque chose comme Home Assistant, qui est une solution open source qui permet de gérer différents protocoles de communication des IoT, parce qu'il existe plusieurs protocoles, comme le Zigbee, par exemple, le Z-Wave, ou d'autres, ou simplement le Wi-Fi ou le Bluetooth. Et donc, Home Assistant va s'occuper de centraliser tout ça. Et la chose intéressante, c'est de constater que Home Assistant, non seulement il centralise, mais il log tout ce qu'il fait. Et nous, notre idée, ça a été de récupérer tous ces logs dans un cluster Elasticsearch pour voir ce qu'on peut en tirer. Et aller un petit peu plus loin, on ne va plus contrôler la maison en termes d'action, mais ça va me permettre de contrôler ce qui se passe chez moi. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai branché ma maison et ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe chez moi. On t'espionne. Voilà, j'espionne chez moi. Voir que les enfants ne sont pas sur la console quand je ne suis pas là. Donc, un projet IoT, ça commence par quoi? Ça va commencer par des capteurs qui vont collecter des données. Derrière, on va avoir le réseau qui va transporter ces données. On va les stocker. Et ensuite, on va en tirer des informations et exploiter ces informations à partir des données. Et donc, la première partie de notre projet d'IoT, c'est justement les capteurs. On a pu identifier trois différentes typologies de capteurs. On peut avoir des capteurs qu'on appelle standalone, donc c'est des capteurs qui collectent un seul métrique. Par exemple, ça peut être un thermomètre qui collecte juste la température. On a des capteurs qui sont multicapteurs, donc des dispositifs qui contiennent plusieurs senseurs. Une station météo, par exemple, elle peut collecter plusieurs données, la température, l'humidité, la pollution de l'air. Et après, on a aussi des dispositifs qui sont une espèce de pont, donc ils permettent de connecter ensemble plusieurs capteurs. Par exemple, la box qu'on a à la maison, on peut connecter plusieurs choses. Donc, on peut connecter notre ordi, notre télé, notre téléphone. Donc là, les capteurs qu'on a chez moi, donc en l'occurrence, on a essayé de faire une petite liste. On a des capteurs dédiés à l'audio-vidéo, c'est-à-dire toutes les informations qui proviennent de la télévision, de l'ampli, home cinéma, d'un player, par exemple, chez moi c'est un player free, par exemple, les téléphones portables, les équipements réseau, un NAS, la box, une imprimante qui est connectée en Wi-Fi, des équipements domestiques comme le chauffage ou simplement les volets, savoir quand est-ce qu'on les ouvre et qu'on les ferme,
et des capteurs d'environnement, par exemple pour de la luminosité, de la température ou de l'humidité. Donc, Home Assistant fonctionne par plugin et quelqu'un de chez Elastic a développé un plugin dont on vous a mis la référence ici. Vous aurez le QR code plus loin si vous voulez l'utiliser, qui permet de automatiquement mettre en place toute une chaîne d'ingestion de données sur ce qui vient de Home Assistant et l'envoyer dans un Elasticsearch. Un tableau de bord Home Assistant, typiquement, là, on a le tableau de bord dédié à ma chambre bureau. Donc, je peux voir un petit peu, je peux régler le chauffage, je peux fermer le volet, voir où en sont les niveaux d'encre de l'imprimante quand elle est allumée, planifier éventuellement le chauffage pour des actions automatiques, le cercle sur la gauche étant plus pour de l'automatisation, pour faire des actions manuelles, pardon, et un capteur dans la chambre qui me permet de voir un petit peu la luminosité, l'humidité, s'il y a un capteur de mouvement ou non, bon, ça ne sert pas spécialement, et la température dans la chambre pour savoir quand je réfléchis trop, qu'il commence à faire trop chaud. Les add-ons, on va en trouver des dizaines et des dizaines, je n'ai pas compté, mais je pense qu'on doit même atteindre la centaine facilement, sur différentes choses. On peut aussi bien avoir du VLC que du Google Assistant, que vraiment plein de choses différentes. Et tout ça est envoyé dans Elasticsearch. Oui, donc on a bien vu les capteurs et le réseau. Là, on voit les données. Les données sont stockées dans des data streams. Donc les data streams, c'est des espèces d'index qui sont utilisées surtout pour les logs. Les documents dans notre index, dans le cas des data streams, ils sont toujours timestampés. Donc on a toujours un timestamp. On a des coordonnées temporelles qu'on peut après utiliser. Le mapping entre chaque data stream est homogène. Ça veut dire qu'on peut requêter sur l'ensemble des data streams et les données dans notre data stream sont par contre hétérogènes. On voit ici par exemple, on a des données, on a des données textuelles. Par exemple, assez importante, c'est le nom de notre dispositif. Merci Benjamin. Je ne sais pas où il est. Il est là, non voilà. Friendly name, avec fermeture volet. Là, on voit que c'est le volet de la chambre de Benjamin. On a des données aussi, numériques et on a aussi des données géospatiales. C'est assez important ici de noter le fait qu'on a un champ qui s'appelle ValueAs. ValueAs, juste là, ValueAs Boolean True. En fait, entre chaque data stream, le seul champ qu'il va changer, et ça c'est assez important, c'est justement cette value as. En fait, pour certains data streams, on aura des valeurs booléennes parce qu'on veut savoir, par exemple, si la télé de Benjamin elle est allumée ou pas. Pour certains data streams, on a des valeurs des floating points parce que la température elle est sauvée en tant que floating point. Bon, donc ça peut changer. Et ça, c'est vraiment la difficulté, en fait, quand on fait une requête sur l'intégralité des data streams, on va vraiment devoir filtrer en utilisant le friendly name, normalement, si on veut utiliser le friendly name ou si on veut utiliser l'ID de notre dispositif. Après les données, on va vouloir utiliser nos données pour extraire des informations. Et ça, dans Elasticsearch, on a pas mal d'outils pour faire ça. On a par exemple la possibilité de créer des dashboards. On peut générer des diagrammes, on peut générer des histogrammes, on peut générer aussi des mosaïques, comme on a vu aussi avant. On peut utiliser ce genre de choses pour expliquer un peu mieux les données, pour visualiser un peu mieux les données. On peut faire aussi de la détection d'anomalies en utilisant un modèle de machine learning. Et on peut aussi vouloir extraire les informations en utilisant simplement des agrégations, par exemple, pourquoi pas, ou aussi en utilisant des pipelines et des scripts. Par exemple, on peut vouloir utiliser les données de la télé de Benjamin, donc si elle est allumée ou pas, pour voir la consommation d'électricité de Benjamin. Si on a, par exemple, la consommation moyenne de la télévision, je ne la connais pas. Et dernière chose, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on peut faire vraiment quelque chose de pratique? Oui,
En utilisant par exemple la détection d'anomalies, on peut générer des alertes, par exemple si on a un dysfonctionnement, par exemple si notre réseau électrique ne fonctionne plus, on aura probablement le modèle de machine learning va détecter qu'il y a une anomalie, et donc on peut utiliser une alerte, par exemple on peut déclencher l'envoi d'un mail ou d'un message sur un channel Slack pour nous alerter, pour dire le frigo il s'est déconnecté, peut-être il a un problème. Donc ça peut être assez utile. Une autre chose assez utile, c'est l'utilisation de l'apprentissage automatique pour faire des prévisions. Par exemple, on peut utiliser les données de la mémoire d'un NAS, par exemple, pour prévoir quand la mémoire ne va plus être disponible. Et un dernier point, c'est aussi que ça peut nous servir justement juste pour avoir conscience un peu des données qui sont collectées à partir de notre maison connectée. Et voilà. Et donc maintenant, on va un peu plonger vraiment dans Elasticsearch. On va voir ensemble à quoi ça ressemble tout ça. Et on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire directement dans notre Elasticsearch. OK. Donc, première chose, on va jeter un petit coup d'œil rapide au niveau des data streams qui ont été créés par notre plugin. Ici, si on filtre sur tout ce qui est Home Assistant, on peut voir que des data streams, on en a, en fait, il y en a 21 exactement. Il va créer différents data streams suivant les données collectées. Mais nous, avec les systèmes de DataView et d'Alias, on peut requêter tous ces data streams en même temps et derrière récupérer nos données. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que si on va un petit peu plus bas dans les data views, on peut voir qu'il y a une data view Home Assistant, qui est la data view par défaut, et qui va aller chercher tout ce qui est Home Assistant dans les données qu'on peut avoir. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme dashboard pour monitorer une maison? On a commencé bêtement, premier dashboard, tout simple, quels sont les périphériques qui parlent le plus sur le réseau. Plus un périphérique est bavard, plus le carré est gros. Donc on peut voir que chez moi, le plus bavard, c'est le NAS, suivi de très près par la Freebox, qui a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais voilà, donc il y a tous ces éléments qui sont connectés. Après, on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin. Moi, je passe ma vie à écouter un petit peu de musique, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc, comme Spotify est également connecté sur le... C'est pas facile de voir. Hop. On va aller sur 24 heures. T'écoutes à quoi? Hop, update. Voilà. Et donc là, tout de suite, on voit un petit peu comment sont répartis, comment est répartie l'utilisation de mon compte Spotify, par exemple. J'assume pas forcément tous les artistes, vous n'en voudrez pas. Mais bon... Le plus gros pavé, je l'assume. Pink Floyd, il n'y a pas de problème, j'assume. Voilà. Donc oui, j'ai une grosse période Animals en ce moment. Ils viennent de ressortir un album. Il est très, très bon. Remixé en Atmos, je vous le conseille. Voilà. Donc j'ai un top 20 des artistes, un top 20 des albums, un top 20 des morceaux les plus écoutés et les sources utilisées également sur l'ampli de la maison. Donc on peut voir que majoritairement sur les dernières 24 heures, c'est le décodeur satellite a été à 18% et la PlayStation à 81%, donc ça va sévir quand je vais rentrer. Je vois qu'il profite que je sois pas là pour abuser de la PlayStation. Non, en fait, elle fait lecteur DVD aussi, donc c'est normal. Il regarde des films. Mais voilà. Donc, ça a été la première utilisation, faire des stats. Et après, on s'est dit, on va corréler des données. C'est-à-dire, excuse-moi, Pietro, on va collecter, par exemple, comment s'est comporté sur les dernières 24 heures la Freebox, aussi bien en upload qu'en download. Donc on peut voir un petit peu que cette nuit, ça a été plutôt calme, donc il n'y a personne qui était sur Netflix. C'est pas mal. Et on peut comparer les températures. Les quatre courbes du haut sont les quatre CPU présents dans la Freebox. Donc on peut voir qu'elle vit une vie à peu près constante. Ensuite, on va voir la température des deux disques durs du NAS. Ça n'a rien à voir. Mais ça permet de voir, des fois, qu'il y a une corrélation entre les choses. Et enfin, on a la température en orange, ça va être la température du bureau, qui est relativement constante, et la température extérieure, qui, elle, bouge un petit peu plus.
Et enfin, j'ai utilisé le capteur de luminosité, d'humidité du bureau. Donc on voit que pendant la nuit, forcément, ça grimpe et ça redescend le matin quand on ouvre la fenêtre. Et la place disponible sur le NAS, et lui, on voit qu'en ce moment, il ne travaille pas beaucoup parce que je ne le charge pas trop. Voilà, donc là, déjà, on a réussi à collecter pas mal de données. On peut les corréler. On peut voir si, par exemple, la température des disques du NAS va augmenter quand la box augmente en température. Ça n'a rien à voir, mais pourquoi pas? Ils sont dans la même pièce, c'est leur seul point commun. Mais on peut commencer à faire ce genre d'opération. Et ensuite, on a mis en place de la détection d'anomalies et du machine learning. Le machine learning, il est là. C'est bon. Donc, on peut faire une exploration d'anomalies, par exemple, sur la vitesse de téléchargement. Donc, je vais faire comme font les gens de chez Elastic quand ils présentent des choses. Quand ils arrivent sur les parties qui ne sont pas forcément présentes dans la version gratuite d'Elastic, ils le disent. Donc, le machine learning n'est pas dans la version gratuite d'Elastic. Mais tout le reste, vous pouvez le faire avec un petit cluster que vous installez chez vous, ce n'est pas un souci. Donc, on peut voir qu'il y a des moments, par exemple, où la vitesse de téléchargement a été plus haute que prévu. Donc, il y a eu un gros fichier téléchargé, quelque chose qui a été fait. Et à ce moment-là, j'ai téléchargé plus que ce qui était prévu. On peut également faire cette détection d'anomalie sur une température. Je ne sais plus quelle sonde on avait pris pour la température, mais ça permet de voir quand il y a des moments où la température monte un petit peu trop. Et tout ça, c'est une des fonctionnalités de machine learning d'Elastic, où on lui donne un ensemble de données, on lui dit sur quelles données il doit se concentrer, on peut les filtrer, et derrière, lui, il va détecter quand il y a des valeurs qui sortent de la norme. Et donc, derrière, il va pouvoir mettre en place des alertes automatiques, et c'est aussi là-dessus qu'il va se baser pour faire ses prévisions. Et dernière chose qu'on a pu faire, on en est où sur le temps ? Ça va, on a du temps. On a également mis en place des alertes. Donc, toutes les alertes, vous allez les trouver ici. Donc, on va créer ce qu'on appelle des rules. Et donc là, on a mis par exemple une alerte sur la mémoire du NAS. Alors c'est sa mémoire vive, hein, c'est pas sa mémoire disque dur. Mais donc, on peut lui dire de surveiller On peut lui demander de surveiller quand la moyenne est au-dessus d'une certaine valeur, d'envoyer une alerte. Donc derrière, on va créer un connecteur qui va envoyer un mail sur une adresse particulière pour que l'alerte arrive, que même si je ne suis pas à la maison, je peux dire « Ah, mon NAS, il y a un problème, j'appelle à la maison et je demande aux enfants d'arrêter de faire des bêtises dessus, par exemple. » C'est forcément, ils font des bêtises. Voilà, donc on peut faire ces différentes choses, tout ça sur Home Assistant. Et l'idée principale, quand on a préparé ce talk, c'était de vous montrer que Home Assistant fait des choses, il surveille votre maison, mais qui surveille Home Assistant ? C'est ça qui est intéressant, c'est comment votre Home Assistant collecte des données. Et éventuellement, quelqu'un qui aurait accès à un Home Assistant qui est chez vous, qu'est-ce qu'il va récupérer comme données ? Il faut avoir conscience de ce que vous stockez. Parce que tout ça, c'est stocké dans Home Assistant également. Donc là, on a pu vous montrer que le Home Assistant, je l'ai mis en place en quoi ? 1h30, 2h maximum. Tout s'est connecté automatiquement, il a dit « j'ai vu une télé, j'ai vu un ampli, j'ai vu un Spotify, j'ai vu machin ». Il a tout connecté tout seul, il a installé les plugins, et derrière, il s'est mis à collecter de la donnée. Et là, on peut voir vraiment qu'est-ce qui est collecté comme données, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne vais pas me prononcer en juge de paix là-dessus, là, c'est à vous de décider. Mais vous avez cette possibilité, au moins, vous avez le savoir. Et savoir, c'est pouvoir. Donc, l'idée, c'était surtout de prendre conscience des avantages que peut avoir une maison connectée, mais également, c'est pas forcément un risque, mais il faut être conscient de tout ce qui se passe. Donc, notre conclusion, c'est que tous ces appareils sont vraiment très présents dans nos vies. Je ne savais même pas que mon imprimante allait être reconnue par Home Assistant, très honnêtement. Quand j'ai installé Home Assistant, il m'a dit « j'ai vu une imprimante ». Oh, sans blague. C'était la surprise. Et il va vraiment connecter tout ce qu'il trouve qui est connecté au réseau et qui a un protocole qui lui est familier. Et donc, derrière, il va également collecter toutes les données qui vont avec, à condition, évidemment, que vous acceptiez d'installer le module correspondant au périphérique. Il ne le fait pas à votre insu, quand même.
Donc si collecter des données de chez vous vous intéresse, vous pouvez installer ce petit plugin. Donc vous avez le QR code pour récupérer le plugin de la personne qui l'a fait. Le code est disponible sur GitHub, vous pouvez voir tout ce qui se fait. Il y a un mode d'emploi qui vous explique comment faire, comment le paramétrer. C'est très très simple, il suffit de donner les coordonnées du cluster Elasticsearch, les éléments d'authentification s'il y en a une qui a été mise en place, et à partir de ce moment-là, il fait tout seul. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. Pour les feedbacks, vous pouvez aussi bien flasher le QR code qui va vers une appli spécifique ou utiliser l'appli des VoxDays. Les deux fonctionnent. Et bah, si vous avez des questions, comme il nous reste encore 4 minutes 30, lâchez-vous, c'est le moment. Oui. Merci. Oui, j'ai une question. Home Assistant, vous l'avez installé sur quelle machine chez vous ? Sur le cloud ? Non, il est installé en local sur un Home Lab qui est chez moi. J'ai monté un petit Home Lab Proxmox et j'ai fait une VM dédiée Home Assistant. Okay. Et après, c'était surtout sur Elasticsearch, l'IA. Parce que nous, on a des problématiques, mais plus orientées entreprise. Vous lui avez donné toutes les logs et il s'est démerdé, ou vous lui avez dit non, ça c'est hyper important, il faut que tu monitores ces logs et tu analyses comment ça se passe? Alors en fait, quand on définit un job de machine learning sur Elasticsearch, on va lui dire sur quel data view se baser. Donc on va déjà lui donner une cible spécifique dans les données, et ensuite on peut lui définir un filtre, c'est-à-dire tu ne t'intéresses qu'aux données qui ont telle valeur sur tel champ, et tu analyses les valeurs de tel autre champ. Et à partir de là, il va mettre en place son modèle, il va l'utiliser. Et il y a différents types de jobs sur des valeurs seules, sur des valeurs multiples, qui peuvent être mis en place. Donc là, il faut aller voir un petit peu la doc. Elle est très bien faite, la doc Elastic là-dessus est très bien faite, sur leur site, sur les différents types de jobs de machine learning. Dans notre cas, on a utilisé la modalité advanced. Donc tu as un query Elasticsearch, tu l'utilises pour faire des filtres sur tes données utiles, sur les données que tu veux utiliser. Après, c'est assez simple. Tu récupères la métrique et le modèle est autogénéré, il s'est auto-limant. Voilà. Puis si vous avez des questions sur Elasticsearch, on est expert Elasticsearch chez Adeline, contactez-nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aime bien quand il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a été clair, ou alors que les gens ont dormi. Non? Oui? Je vous vois pas bien, j'ai les lumières dans les yeux. Levez bien la main très haut. Oui, mais en fait, ma question, c'était de savoir comment est-ce que vous exposez justement les données. Disons, peut-être on ne va pas passer forcément par Elasticsearch, mais comment vous exposez vos données Home Assistant, peut-être sur le web en utilisant son application téléphone. Alors exemple. Là, c'est simplement que j'ai créé un cluster Elasticsearch dans le cloud Elastic. Et à mon Home Assistant, je lui dis, tu te connectes au cloud. Mais le cloud est sécurisé, donc si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne verrez pas mes données. Mais voilà, lui, Home Assistant, tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit aller écrire dans un élément qui soit hébergé en local ou sur un cloud quelconque. Ok, merci. Voilà. Allez, juste pour le plaisir, je sais que c'est une question quasiment de religion, mais vous avez essayé avec JDOM aussi ? Non. Et vous savez si JDOM peut le faire ou pas ? Je n'ai pas regardé. Okay. Honnêtement, je n'ai pas regardé. Quand j'ai commencé à lire des blogs sur la domotique, j'ai vu que Home Assistant était assez intéressant. Et il y a eu une espèce de feeling qui a fait que je suis parti plus sur Home Assistant que JDOM. Et après, c'est vrai que je n'ai pas creusé pour JDOM. Ok, je pense que c'est un bon choix d'un autre côté. Par expérience, voilà. Pour l'instant, j'en suis très satisfait. Retour d'expérience, JDOM, j'en suis plus satisfait. Merci. C'est bon ? Ben, merci à tous d'être venus, merci pour les questions, et passez une bonne fin de Vox Days.